Améliorez votre expérience sur Internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur Internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Bonjour Arnaud. Bonjour. quel est le sentiment avant ce match? Est-ce qu'il y a une forme d'excitation particulière? Oui et non. C'est vrai que par rapport à ce qui s'est passé, c'est sûr qu'on a à cœur d'aller chez eux et de gagner ce match. En plus, on a beaucoup de supporters qui vont venir. Donc on est déjà très contents qu'ils viennent en masse. Ils ont répondu présent, donc c'est sûr que c'est à nous aussi de répondre présent face à Clermont. On a quand même l'impression qu'il a une saveur particulière. Il y avait eu déjà le match que vous aviez rejoué, que vous vouliez absolument vous imposer. Vous aviez fini par faire ce match nul. On sent qu'il est quand même très particulier, celui-là, avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Vous assurez, alors peut-être pas définitivement le maintien, mais ça serait quand même un beau symbole de se dire que les 3 points à Clermont vous assurez la place en Ligue 1. Ouais, c'est sûr, c'est un contexte un peu particulier avec voilà, ce match qui a dû être rejoué, en plus sans nos supporters. Donc c'est vrai que ça va être un match très important qui peut aussi nous rapprocher de ce maintien qui est notre premier objectif. Donc c'est sûr qu'on va aller à Clermont pour ramener les 3 points et pour se mettre dans une très bonne position pour ce fameux maintien. Toi, tu refuses de parler de balle de match contre Clermont? Bah, tant que c'est pas fait mathématiquement, c'est sûr qu'on sera bien positionné, c'est sûr. Mais tant que c'est pas fait mathématiquement, bah, on sera pas sauvé. Tout simplement. Physiquement, tu en es où? Les soucis sont oubliés, tu es revenu à 100%? Ouais, physiquement ça va, c'est vrai que je travaille beaucoup. Voilà, j'ai eu quelques pépins, j'espère que tout ça c'est fini. En tout cas, je me donne les moyens d'être à 100% sur le terrain pour pouvoir aider l'équipe au maximum. Est-ce qu'avec le recul, Arnaud, ce match aller contre Clermont, ce 8 octobre, le jour du pétard, ça avait été un peu le, excuse-moi l'expression, mais le début des emmerdes? Oui et non, parce que je pense qu'après, on a quand même perdu des matchs où on aurait pu peut-être les gagner. C'est vrai que ça a été quand même un tournant. Maintenant, je pense que ça a pas tout fait non plus, parce qu'il y a des choses qu'on a mal fait, sinon on n'aurait pas été là. Mais voilà, maintenant une saison c'est très très long. Certes, il y a eu ce tournant là, mais on avait aussi d'autres moyens de se rattraper. Maintenant on est là et il faut vite maintenir le club. Le coach en a beaucoup parlé de ce pétard, de ce retrait de points. On a bien senti tout au long de la saison et même récemment que ça lui est resté en travers de la gorge. Et vous les joueurs, avec ça vous en êtes où? Est-ce que c'est oublié? Ça reste quand même dans un coin de la tête, c'est pour ça qu'on a quand même à cœur de gagner à Clermont. Maintenant c'est sûr que ça a fait partie de la saison, ça a été un fait marquant comme il y a pu en avoir d'autres. Maintenant on est passé quand même à autre chose et voilà, je pense que si on reste trop dessus, après on fait que de cogiter et c'est pas bon non plus pour l'équipe et le club. Dès la fin du match, l'autre jour, vous l'avez évoqué, vous en avez parlé, vous avez dit maintenant on finit à Clermont, enfin on a un autre match très important à Clermont. On a un très gros match à Clermont à faire, on a un très gros match à Reims à faire, on a un très gros match à Toulouse, à Lens, à Monaco. On a encore tout ça comme gros match, donc voilà, ça reste un match certes un peu particulier, mais on n'y va pas avec plus de pression ou autre. Nous, l'objectif, comme je vous l'ai dit, c'est de gagner ce match-là. Mais est-ce que le fait de gagner là-bas, qui pour nous observateurs serait sûrement le match du maintien, même si vous restez mobilisés, c'est normal, mais est-ce que derrière, valider ce maintien, ça permet pas aussi de jouer, aller à Reims, etc., plus libéré encore? On sait que le maintien est acquis et ça enlève quelque chose au niveau de la pression et on est plus libéré. C'est sûr que ça peut enlever quand même une petite pression. Comme le coach a dit, voilà, je pense qu'avec 2 victoires, ça pourrait le faire. Maintenant il faut aller les chercher le plus rapidement possible pour après passer à autre chose. Une fois que le premier objectif sera atteint, on pourra peut-être s'en fixer d'autres, mais pour l'instant l'objectif c'est d'abord le maintien et après on verra.
pour revenir sur ce match, et Michel et Laurent aussi avaient dit que ça avait peut-être bouleversé votre saison. Comment on peut expliquer qu'un match comme ça puisse vous bouleverser? Et est-ce qu'il ne faut pas reproduire les erreurs que vous aviez faites sur le match que vous aviez rejoué après, où tu as dit on avait peut-être été peut-être trop focalisé, on avait trop attendu? Est-ce que vous avez appris aussi de ce match-là que vous avez rejoué pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ce week-end? Bien sûr, ouais, je pense qu'on a travaillé en vidéo cette équipe de Clermont. On a à cœur de faire un gros match. Comme je vous l'ai dit, il faut oublier ce qui s'était passé, l'histoire du pétard. Voilà, ça y est, ça fait déjà un bon moment maintenant. Il y a des choses qui se sont passées entre temps. Cette semaine, je pense qu'on a bien bossé cette équipe de Clermont. Et je me répète encore, l'objectif premier, c'est de gagner ce match-là. Et j'espère gagner le prochain aussi. En tout cas, on est tous des compétiteurs et on veut tout gagner, en tout cas. Essayer du moins. Comment tu expliques les deux premières mi-temps un peu en dedans lors des deux derniers matchs? Il a fallu attendre la mi-temps, apparemment on recadre à chaque fois pour que vous exprimiez la pleine mesure en seconde mi-temps. C'est vrai qu'on a un peu du mal à rentrer dans le match. Des explications, j'en ai pas vraiment. Au Havre, on avait beaucoup de mal au niveau des seconds ballons. Malgré ça, quand même, au Havre, on arrive en première mi-temps à bien défendre. À Lorient aussi, où Ben il nous en sort 2-3, ça nous fait vraiment du bien. Et c'est vrai qu'à la mi-temps, le coach arrive toujours à trouver les bons mots pour réajuster certaines choses. Et voilà, en deuxième, on arrive à chaque fois, entre Le Havre et Lorient, à mettre deux buts sans en prendre. Donc c'est ça qu'il faut essayer de faire sur les deux mi-temps maintenant pour faire un match complet, j'ai envie de dire. La dernière fois qu'on vous avait vu, si on se penche sur votre cas personnel, vous reveniez de blessure, vous commenciez à bien monter en puissance, etc. Vous avez continué sur cette voie-là. Est-ce que vous arrivez à vous voir comme un peu le facteur X de cette équipe, sachant quand on voit un peu le jeu de Montpellier, ça penche souvent de votre côté, sachant qu'en plus Moussa est un peu moins bien en ce moment, ça penche de votre côté? Facteur X, non, je pense pas. J'essaie d'aider au maximum l'équipe. Voilà, c'est vrai que j'ai une très bonne relation avec TJ, celui qui est souvent à la dernière passe. Donc c'est vrai que ça peut aider aussi. Le fait que je sois blessé, c'est pas facile pour un joueur, surtout quand on voit que l'équipe a un peu de mal. Donc c'est vrai que quand je suis revenu, j'ai reçu quand même beaucoup de confiance, que ce soit de la part du coach, de mes coéquipiers. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de bien revenir et d'avoir cette envie encore plus de pouvoir aider l'équipe et le club. Aujourd'hui, tu dirais que tu joues totalement libéré, sans appréhension par rapport à ton corps, à tes blessures passées? Ouais, totalement. Après, comme j'ai déjà dit, tout le monde pense que je me blesse souvent. Ça reste rare. L'année dernière, je fais 37 matchs. Cette année, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais là, j'arrive à enchaîner. Donc c'est vrai. Après, voilà, il y a du travail derrière pour que ça arrive pas. Malheureusement, les blessures, ça arrive la plupart du temps chez un footballeur. Le plus important, c'est de tout mettre en place pour que ça arrive le moins possible et pour que ça soit le moins grave possible. Il y a peut-être des choses aussi que tu fais maintenant dans l'ombre pour éviter ces blessures que tu as appris justement grâce à cette longue période sans? Non, parce que je suis quelqu'un qui quand même travaillait beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai un jeu quand même assez explosif basé sur la vitesse. Donc c'est vrai que sur ce genre de profil, ça arrive un peu. Donc non, je redouble les efforts. Je m'alimente bien, je bois bien. Alors que c'est vrai, c'est un peu un langage un peu bateau, mais c'est la vérité, c'est le quotidien d'un sportif.